Si. Je suis convaincu. Mes amis de la presse, bon après-midi. Tout d'abord, laisse-moi remercier les autres pour votre présence aujourd'hui à ce point de presse. Je vous rappelle, lors de mon dernier point de presse, nous t'annonce la rentrée au second trimestre et nous te dire qu'au départ, nous pouvons un staggered approach des écoles en alternance et qui, à partir du 18 octobre, nous vous commençons un cours full-fledged, c'est-à-dire tous les élèves en même temps à l'école. Ben, depuis, nous finissons suivre de près l'évolution de la situation. Nous finissons travailler de concert avec le ministère de la Santé et nous finissons faire une analyse pour voir comment la situation peut évoluer avec le temps. Et l'analyse que nous finissons faire, et avec l'aval du High Level Committee, nous finissons décider pour adopter une approche un petit peu plus prudente. Qui veut dire que nous commençons nos campagnes de vaccination pour un jeune de grade 10 à monter, c'est-à-dire les élèves de 15 à 17 ans, pour assurer qu'ils aient en plus de sécurité. Avec l'arrivée des vaccins Pfizer, sa programme de vaccination a débuté. Et à ce jour, il y a environ 12 à 13 000 élèves qui finissent déjà vaccinés. L'information qui m'a c'est qu'il y a à peu près 68% des élèves de 15 à 17 ans qui finissent déjà vaccinés. Et le programme de vaccination pour continuer jusqu'au 20 octobre pour la première dose. Et aussi, en même temps, nous finissons noter qu'il finit non, beaucoup plus de personnes vaccinées dans le pays. Nous finissons tous à peu près, ou plus même, de 80% de la population adulte qui finit déjà vaccinée. Et campagne de vaccination à Maurice bouge rapidement. Alors, compte tenu du fait que le programme de vaccination a commencé et que malgré tout cela, encore et dans quelques cas, des cas de COVID plutôt à travers l'île, qui est encore énorme dans la communauté des cas de COVID, nous faisons choisir pour bouger d'une façon
encore une fois, prudente et par étapes. Alors voilà ce qui nous est proposé pour la rentrée à partir du, pas la rentrée, mais à partir du 18 octobre, comment nous comptons faire les choses. Alors laisse-moi commencer avec le primaire. Je vous rappelle qu'en ce moment-ci, les élèves au primaire, les grades 1 et 2, un, deux et trois, je suis venu à l'école sur 2 jours et le reste venait sur 3 jours. La valeur du jour, ce qui nous fait, nous peut assurer que mes élèves de grade 1 à 4 viennent à l'école sur 3 jours, 3 full working days. Et nous fait de sorte à ce que, quand ils étaient à l'école, nous toujours ayons 50% à peu près d'élèves à l'école à at one point in time, qui n'est pas toute la bonne en même temps. Alors, les grades 1 et 2 viendront le mardi, les jeudis et les vendredis. Vous remarquez qu'il nous est dans l'écran là. Pour les grades 3 et 4, vous pouvez venir à l'école pendant 3 jours également, les lundis, les mercredis et les jeudis. Les grades 5 et 6, eux, viendront sur 4 jours. Les lundis, les mardis, les mercredis et les vendredis. Tout cela pour assurer que, bien sûr, les élèves gagnent suffisamment de temps pour couvrir le syllabus. En même temps, prenant un allègement du cursus pour les élèves au primaire. On passe maintenant au secondaire. Pour le secondaire, encore une fois, les élèves de grade 7 et 8 viendront sur 3 jours. Ceux de grade 9 viendront sur 4 jours. Pour grades 7 et 8, ce sera dans ces cas-là les mardis, les jeudis et les vendredis. Pour ceux de grade 9, ils viendront à l'école lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pour les élèves de grade 10 à 13, ce sera encore une fois sur 4 jours. Vous allez voir les jours sur l'écran. Pour grade 10, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Grade 11, lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Grade 12, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Grade 13, lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Puisque les élèves de 15 à 17 ans peuvent déjà être vaccinés, pas pour un an, split classes, tous les élèves viendront en même temps. Pour les grades 7 et 8, les élèves seront à l'école 3 jours et le reste des écoles, des élèves viendront sur 4 jours. Bien sûr, nous avons aussi d'autres activités qui pourront reprendre à l'école, c'est-à-dire l'assemblée au début de la journée prenant lieu, les classes de physical education auront lieu comme à l'accoutumée, et bien sûr, tout ben geste barrière, tout le protocole sanitaire qui est établi pour maintenir. Je tiens content aussi à ajouter que pour le secteur pré-primaire, nous pouvons maintenir les mêmes arrangements qui tiennent au début, c'est-à-dire les classes pas pour dépasser 15 élèves. S'ils dépassent 15 élèves, à ce moment-là, vous avez besoin de split la classe ou, bien sûr, adopter le staggered approach, c'est-à-dire en alternance.
Le même principe applique pour le same sector, c'est-à-dire Special Education Needs Schools. Là aussi, nous pouvons maintenir les mêmes arrangements du début du trimestre, c'est-à-dire les classes de moins de 15, et aussi, si jamais non plus que 15, à ce moment, ce sera split, et les élèves viendront comme prévu au début du trimestre. Pas de changement pour le pré-primaire et le same secteur. Nous pouvons continuer à suivre l'évolution de la pandémie tous les jours et nous pouvons assurer, bien sûr, qu'il y ait de la vigilance au sein des écoles, au niveau des écoles, pour assurer qu'il y ait tout bon geste barrière maintenir, c'est-à-dire le port du masque, la prise de température, le use of sanitizers, etc., comme prévu. Et la situation, bien sûr, pas simple, mais nous bougeons à une autre étape et nous vous maintenir à ces bonnes conditions-là jusqu'à la fin de ce trimestre-ci, la fin du second trimestre, en espérant que la situation s'améliore encore plus et que en janvier, les choses seront différentes. Alors, c'est tout ce que M. Nan pour ajouter, vous dire, et s'il y a quoi que ce soit, éclaircissement à demander, on va le faire. Non, pas du tout. Parce que déjà, on le fait là. Au contraire, nous sommes en train de dire que maintenant, les élèves de grade 10 à monter seront en classe full-fledged, c'est-à-dire tous les élèves en même temps. Si jamais il y a des cas où un élève est positif, à ce moment-là, les élèves qui ont été en direct contact avec l'élève seront en isolement. Le reste de la classe va reprendre après le nettoyage et la désinfection de la classe. Justement, madame, ça fait combien de jours après que l'école ferme? Vous savez, en principe, on parlait de l'école qui se fermait complètement et reprenait après. Maintenant, ce que nous sommes en train d'adopter comme formule, c'est que c'est la classe où il y a un enfant positif, la classe pour être nettoyée, désinfectée, et le lendemain, la classe reprend. À moins s'il y a eu un problème quelconque. Mais en général, la classe reprend le lendemain, sauf les élèves qui ont un contact direct avec l'enfant qui est positif, eux, total, en isolement. Bien sûr, parce que ça sont les mesures que nous prenons pour la protection des enfants. Certainement, MES, il communique avec Cambridge et Cambridge, il bizarre, communique lui officiellement à la MES. Voilà. Bien sûr, nous faisons une guerre. C'est dommage et très très chagrinant que Cambridge n'ait pas fait un erreur pareil. Mais Cambridge envoie la liste avec les résultats des élèves, les résultats améliorés des élèves, mais en tenant compte du classement, nous trouvons qu'il n'a pas fait un changement. Bien sûr que tous ces élèves-là ont de très bons résultats. Et que, bien sûr, il est très chagrinant qu'ils ne passent pas ça, moment difficile, qu'ils ne trouvent ce résultat mal imprimé, l'autre bon result slip. Mais n'empêche, maintenant, nous n'avons la liste exacte qui finit établie. Et bien sûr, nous trouvons que trois de ces élèves-là, ils l'autre ranking list. Alors, c'est intéressant qui. Moi, pas pour cause de hypothèse, si ou quoi, mais la valeur du jour, le carapoté, nous fait une guerre des résultats. Sur le consolidé de COVID-19 et les gens, par rapport à l'école, l'exemption, comment parlons-nous vacciner, c'est juste pour la violence médicale le jour de la vaccination. Mais est-ce que ce n'est pas un peu. C'est un peu trop extrême dans le cas où un parent, disons, n'est pas trop
Ben, le parent a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants aussi. Et il faut penser aussi que la sécurité de ses enfants et la sécurité des autres enfants aussi très importante. Et nous, comme ministère, nous responsables de la sécurité des enfants dans une école. OK? Merci beaucoup. Merci bien.